Je remercie Céline de m'avoir invitée pour vous faire, pour vous faire une démonstration sur la technique cisopénie. Il y en a beaucoup qui la connaissent maintenant, en force de venir soit à mes stages de perfectionnement, soit regarder mes vidéos, etc., soit venir en stage chez moi. Voilà, voilà. On a un nuage qui est un. J'ai des choux matés, on va dire, mélangé. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire les cheveux rodés, comme d'habitude, je vous sors le matériel nécessaire, et comme d'habitude, je suis carrément organisée. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux droits, d'une paire de ciseaux courbes, si vous aimez, une paire de sweaters, un petit peigne, un grand peigne. Donc, pourquoi j'ai les deux types de peignes différents? Parce qu'on est sur un chêne qui a une texture de poil qui n'est pas cheveux et qui n'est pas laineusement pour un peu. Donc, quand je suis venue faire mon brush tout à l'heure, j'ai travaillé sur le volume du chien. Donc, j'ai fait la technique de séchoir tout seul. Et là, en fait, je viens ouvrir carrément mon poil. Et sur les finitions, après, je viens réutiliser. Celui-là parce qu'il y a les dents qui sont très très fines et du coup ça me permet vraiment de pouvoir chercher les poils. Est-ce que jusque là je suis claire? Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, vous dites rien. C'est bon? On commence? C'est parti! Donc je n'ai pas fait d'hygiène, comme vous pouvez le constater. On a des poils aux fesses. On a des poils au bout du cou. Et on a des poils. Pourquoi? Parce que je n'utilise pas la tondeuse. Tout ça, je fais tout au ciseau. Pourquoi je fais tout au ciseau? Oh, il y a du monde, hein? Hey, vous n'avez pas bu le café ce matin? J'avais dit quoi, je fais tout au ciseau? Oh putain, pourquoi? Pour éviter les blessures, hein? Oui. En fait, quand on utilise la vitamine, tu m'as dit déjà arrêter, ça me fait 52 et demi. En fait, quand on utilise la tondeuse, on fait ce qu'on appelle des micro-piqûres. Qui sont pas visibles à l'œil. Mais en fait, on crée des micro-piqûres, et notamment sous les coussinets. Et en fait, vous verrez quand votre chien marche, mis à part pour certaines races qui sautillent, comme les caniches, en fait, le micro les écrase. Il y a des gens qui répondent dans le direct. Je viens faire un petit V, donc toujours ma lame vers l'extérieur. Hein. Si jamais le chien n'est pas bougé à la dernière minute, mes soeurs, en fait, c'est parti. Allez, ça y est, je fais son chien. Je fais un V dessous. Vous voyez, jeune homme? Oui, je vois très bien. Vous voulez faire du plus près? Vous avez le GoPro, c'est fait pour, non? D'accord. Ouais. En fait, c'est grâce à lui si vous avez toutes les vidéos sur YouTube. Hein. Ah, merci. Voilà. Derrière. Parce qu'en fait, c'est mon fils qui, il y a quelques temps, m'a dit « Maman, vas-y, fais des vidéos et tout, machin. » Parce que je recevais plein de messages. « Tu peux m'aider à faire ci, tu peux m'aider à faire ça. » Et c'est vrai que c'était un peu compliqué de répondre à tout le monde. Des fois, je vois vos messages, je ne réponds pas, je fais du mieux. Et du coup, il m'a dit « Mais maman, fais des vidéos sur YouTube et tu mets en ligne directement et tu montres comment tu bosses. » Et ça va finir par rentrer et les gens vont finir par... Enfin, les personnes qui en ont besoin vont finir par, par comprendre ce que tu expliques. Donc c'est grâce à lui. Voilà. Merci Doudou. Donc dessous de patte, le petit V. Pour pouvoir faire mon rond de patte, en fait, je vais venir faire ici un trait là, et après j'arrondis. Comme j'explique très souvent aussi dans mes vidéos, en fait, un chien, c'est comme derrière les boîtes de céréales où on doit faire de 1 à 8 pour former un animal. Et bien, nous, on fait pareil pour former les chiens. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous savez, quand on relie 1, 2, 3, 4, 5, après on découvre, oui, il y a béni. Et bien là, en fait, on fait la même chose. On a une méthodologie de travail. On avance petit à petit et à la fin, ben, en fait, on s'est rendu compte que la coupe était construite, le chien était construit et qu'on n'avait rien oublié.
C'est pour ça que je fais toujours dans le même ordre. Hein? Dans le même ordre. Oui. Quand j'explique aussi que je ne fais pas les deux sous-pattes à la tondeuse, c'est toujours la même chose, c'est toujours sur un chien entre deux. Bien évidemment, si vous avez des chiens qui ont des nœuds collés sous la patte, n'amusez pas à les gâcher. Quand j'explique quelque chose, c'est toujours, je prends la généralité, je ne fais pas de cas par cas, en général, sur un chien entre deux. Si en ce moment je suis en prise de masse, en phase prise de masse, mais non, je mange personne. C'est pas dans ta diète. C'est pas dans ma diète. Pareil, vous avez une façon de manipuler le chien aussi. Oui. De la morphologie de votre chien, il n'est pas capable, lui, de faire l'ensemble de ça, vous voyez? Là, d'un coup, lui, il me regarde et il me dit « Ah, et pourquoi tu fais ça ?» Alors que, si effectivement, je fais ça, je n'ai pas le même souci, en fait. Parce qu'en fait, le chien marche comme ça. Oui. Mais il va pas faire ça. On n'est pas comme nous sur les bords, en fait, où nous, on peut faire ce mouvement-là. Lui, en fait, il ne peut faire que ce mouvement-là. Il a très peu d'écart sur le côté par rapport à nous. Donc, quand vous manipulez votre chien, souvent, j'entends dire « Ah ouais, mais avec toi, il ne bouge pas. » Non, c'est juste que je regarde la morphologie de mon chien et comment est-ce que mon chien va se déplacer, comment est-ce qu'il est construit, et après, j'adapte les mouvements. Ben non, tu tapes musique libre. Avec son scotch. C'est pas très en forme ce matin. Non, elles sont pas en forme ce matin. Faudrait faire, je sais pas, un truc pour les aller. Je sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué de bon c'est matin. C'est bon matin, là, tu vois. Café gratuit, peut-être. Ouais, c'est ça. Je paye ma tournée de café si vous voulez. Pareil pour le cucu. Je vous montre comment. Là ? On voit son cucu. Oui. Comme. Désolé, on vient pour vous. Ah, il est pas content, il a dit. Ne dis pas ça. Hop, je viens faire un petit triangle ici. Un grand triangle même, on peut monter jusqu'au nombril. Pareil, laisser du poil sur la silhouette, j'aime bien dire ça, du chien. Il en a besoin pour faire pipi comme il faut. Parce que quand on coupe tous les poils qui sont ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous voyez quand vous avez un spray. Donc, il y a personne qui a un spray là sur lui.
Un pchit, un sprit. Trouve un pchit. Vas-y, montre un pchit. Je vais vous montrer un truc, vous allez comprendre. Personne qui a des petits pchit. Vous êtes prêts? Vous avez vu comment ça sort? Parfait ou pas? Ouais. Comme ça. Comme ça. Et bien, quand on avait plus les poils ici. Et là, quand tu manges là, tu peux se trouver parce qu'il y a des mecs. Et bien, en fait, quand on enlève tous les poils que tu as ici, hein? Voilà. Et en fait, du coup, ça fait pipi comme l'esprit. Donc, il se fait pipi partout sur les pattes. Et ben non. Merci à la madame pour le pour la lettre. Merci, merci pour le spray. Voilà. Mais en fait, les clients, ils cherchent qu'à comprendre. Il faut expliquer, si on leur explique pas, ils vont dire ah mais du coup c'est comme ça. Non. Oui mais ils veulent pas comprendre quand même. C'est pas propre. C'est pas propre mais c'est encore moins propre quand du coup c'est là on a juste à nettoyer l'endroit qui est là. On a dégagé ici, on a fait un V. En fait le chien quand il va souder la pâte, mis à part cet endroit là qui va mouiller que du coup on a raccourci. Et pareil, on laisse un peu de poils aussi sur les coucougnettes. Parce que quand il marche, il est content. Et ici, il faut qu'il aime la queue. Donc, par exemple, nous qui venons du sud, est, on a du soleil. Et en fait, ils se prennent le soleil sur les coucougnettes et ils ont des peaux super fines. Donc, on a des cancers après les testicules. Et il faut savoir aussi que les trottoirs sont chauds. Et un chien, il s'assoit sur le trottoir. Et en fait, quand il n'y a plus du tout de poils, pardon. Donc, en fait, il se crame la peau. Et moi, je vois des chiens arriver qui, effectivement, ont la peau, mais ça fait carrément, ça s'est cramé. Donc, on leur met de la crème et tout ça. Enfin, c'est comme nous qui vous posez vos fesses, vos blessures, vos coucougnettes sur le trottoir. Hein? Je crois que vous n'apprécieriez pas trop. Hein? Par contre, je peux vous poser une question là, par rapport à ça. Oh non, je ne sais pas. Hein? Oui. Expliquez-moi comment lui, il fait alors. Il a... Ah ouais, emmène-moi. Très bien. Elle me défie. Alors, j'adore. Viens voir. Viens montrer qu'elle est pas de coucougnettes. Tu montres? Est-ce que tu montres? Oui, il me montre. Vous avez oui. vu? Il a des poils de coucougnette. Oui. Montre les coucougnettes. Désolée. Vous voyez, il a des poils de coucougnette là, finalement. Je suis désolée, on ne se connaît pas. Je fais... Oui, oui. Est-ce que tu vois tes coucougnettes? Oui. Donc, naturellement, même si c'est un poil court, il a des poils sur les coucougnettes. Donc, du coup, le fait de raser à blanc, en fait, même les chiens en poils courts, ils ont du poil parce qu'on leur a pas de poil. Là, c'est mon défi. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir passer à la technique si je peigne. On va regarder si je peigne, si je vais. Comment je vais faire pour que vous voyez? Si tu la mets de profil. Ouais, mais il y a toujours un moment. Attends. J'ai mes ciseaux là. Oh. J'ai fait une conne. On va changer. Il n'y a pas une poche? Bah si. On m'entend plus? Oui, c'est bon? Ok. Cool. Tu veux que je la tourne? Attends. T'es ready? Ready? Go. Là, pas plus. Pas plus, parce pas fait, moins. Il faut que je puisse tourner. Ok. Je crois qu'on m'entend pas. Mais en même temps, il est sur ton cou le truc. C'est 1, 2. Oh, alors, donc, je vais venir ici. Tu montres aussi? Oui. Je pars du bas. Le principe, c'est de ne jamais s'arrêter. Et je remonte. C'est bien la madame, elle participe. Ouais, j'aime bien. Alors, vu l'accent, moi je dirais.
Alsace. Pas du tout. Ah ouais? Ah ouais? Il y a un accent hyper marqué. Comme en Alsace. Du coup, j'allais dire, ouais, je vais aller là-bas, on va manger des trucs. Vous voulez aller manger des trucs? Non, j'ai... Non, mais franchement, ça fait très alsacien comme... comme accent. Allez-y, parlez pour moi. Donc c'est pour ça que le brush, il faut qu'il soit fait correctement. Parce qu'on peut... Ouais, pour pas que ça accroche en fait. Hein. Ça n'a pas pris de trépied, rien. C'est toi mon trépied. Donc volontairement, je fais un côté et ensuite je fais l'autre. Et en dernier, je fais ma ligne de dos. Pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est pour ma symétrie. On t'entend plus, maman. On m'entend plus? Qui me parle? Ah. Alors, ça dépend de la race que tu travailles. Tu travailles dans le mécanisme, tu vas commencer par la ligne de dos. Sur des courbes comme ça, en fait, moi, je termine par ma ligne de dos pour que j'ai les deux côtés symétriques. En fait, ton... Alors, mon mot du jour, c'est « en fait ». En fait. En fait. Parce que je fais toujours des trucs. La dernière fois, j'avais un bug sur un mot, je le répétais, je répétais tout le long de la vidéo. Aujourd'hui, c'est en fait. Tu as une mémoire visuelle et manuelle. Et en fait, quand? Vrai ou pas? Ouais, on est d'accord. Ouais, c'est parfait. Hein. Ouais. La dernière fois, c'était quoi, Charlène? Tu te rappelles pas, il y avait un truc comme ça, j'arrivais pas à me sortir. Ah, c'était Romy. D'accord. Ouais, t'es très belle fois la dernière fois, je fais toujours un nom. Donc je disais que tu avais une mémoire visuelle et manuelle, donc dans ta main, dans ton œil et dans ta main. Donc tout le côté de ton chien, tu vas répéter le même mouvement, la même longueur. Parce que la longueur que tu définis sur ton chien, c'est ton peigne qui va te le donner. Donc tu choisis une longueur, plus ou moins courte ou plus ou moins longue. Et donc, tu montes ton chien. Une fois que tu as fait ce côté, naturellement, quand tu vas passer de l'autre côté, tu auras gardé cette mémoire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu vas attaquer ce côté-là, tu auras ta mémoire. Quand tu vas te mettre derrière ton chien et que tu vas regarder ta symétrie, quand tu auras rejoint le dessus, tu as fait le finger, quoi. Et après, tu as juste à te parler une vidéo, tu raccordes. Tu es d'accord? Non. T'as pas de mémoire, tu veux te blesser. Dory? Dory. T'as la mémoire de Mickey? Ça va bien se passer. Rien que toi. Sans mes yeux, je suis malade. Sans tes yeux? C'est tous les personnes qui sont 10. Qui sont quoi? 10. Ah ouais, j'adore. T'es quoi, 10 quoi? Ouais, bah ça va, c'est bon, t'en as qu'un. Moi, j'ai formé des gens, ils en avaient 5 sur 6. Et ben, ils ont la mémoire. Et Bodaï. Oui. Hashtag et Bodaï. Ouais. Spéciale dédicace à ma merdeuse. T'as juste ton cerveau, ouais, hein, et Bodaï. En fait, t'as juste ton cerveau qui utilise le parti. Ouais, mais tu as quand même une mémoire. Et en plus, sur les dyslexiques, vous avez une mémoire visuelle en fait, qui est beaucoup plus développée qu'une personne sans 10. Alors, s'il te plaît, t'as un super pouvoir par rapport aux autres. Okay. T'as un super pouvoir. Ok ou pas? Je vous ai fait. Alors, en plus, je vous ai tapé l'angulation pendant que je parlais. J'ai fait ça tranquille. Donc, quand je fais mon angulation arrière. Je viens ici. Je viens ici. Je tiens ma coucougnette pour éviter de lui sectionner. Donc je suis avec toi, c'est l'extraction. Je viens au niveau de là et tac, au niveau de l'hygiène, je viens raccourcir pour après creuser mon angulation. Tu permets, chérie? Merci. Vous voyez? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est bon.
Vous avez compris? Et ensuite, tu je viens ici, un peu plus court. Pourquoi? Parce que... Oh, j'ai pas de tableau pour faire des schémas d'enfants. Parce que c'est l'insertion de queue, c'est le point zéro, c'est le point le plus court. Ok? Sur ma ligne de dos, puisqu'en fait, après, je vais toujours chercher une sortie d'encolure. Donc, je viens jamais très très court ici. Je viens plus court ici et je remonte, comme si j'avais une piste de décollage. Pour éviter d'avoir un chien qui a une tête, enfin, un corps très long. Le fait qu'on laisse... Excuse-moi, oui, je sais, mais quand même... Le fait qu'on ait ici, qu'on laisse une petite sortie d'encolure, on va donner de l'allure au chien. Quoi? Voilà. J'ai pas appuyé sur un bouton ou un truc? Non, non, ça marche très bien, mais c'est juste arrête de bouger la tête. Vous avez compris? Son chien et ensuite on fait les finitions. Ne cherchez pas à construire et à faire les finitions en même temps, ça n'a aucun intérêt. C'est comme quand on construit une maison, on fait pas et ça marche pas très très bien. Salut. Il faut que tu le remontes un peu plus vers ta bouche. Ma tête. Quand on construit une maison, on fait les fondations, les murs, la toiture et ensuite on met les rideaux et les tubes à faire. Donc, ne cherchez pas à faire les fondations des murs à la toiture en même temps que vous allez bouger par les bouger par les murs. Chaque chose en son temps. On continue, on fait le côté. Oui, d'accord. T'es content? Voilà, t'as décidé de s'en ficher. Voilà. Et il va poser la vidéo comme ça, la caméra. Si vous ne voyez pas que genre je vous bouche la vue, vous me dites Nat, on ne voit rien du tout. Hein. Ah non, il faut remettre le micro. Ah, bah, je sais pas, apparemment ça appelle. Et c'est quoi, parce qu'il bouge tout seul? Non, je ne sais pas, on entend. L'entend? Normalement, voilà. Oui. Ah. Faut que je mette un peu plus fort. Faut parler plus fort? Là, on t'entend. C'est bien, hein? Ouais, mais en même temps, je l'ai dans la bouche, quoi. Et quand on passe les trucs, on est un peu bonjour. Oui, je suis content. Merci, monsieur, je m'en suis. Ouais, la pose, tout le McDo. Bonjour. C'est bon ou pas? Ça marche. Ça va bien. Ah, c'est bon. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On te voit de très très près. On me voit de très près. Arrête. Donc moi j'utilise cela, mais je peux utiliser aussi ce ciseau. Ouais, j'ai pas le droit de tirer ça. C'est là. Vas-y, montre. Ceux-là, ils sont plus larges. Ils les potent davantage. Ils ont pas de questions. Hein. Non, ils ont pas.
Vous n'avez pas de questions, les gens? Ah, ça peut. Alors, quand on a du type York, alors je ne parle plus maintenant de race de chien. Je me suis rendu compte qu'il était plus judicieux de parler de type de poil. Pourquoi? Parce qu'on a, par exemple, du York en poil cheveux ou en poil les deux. On va avoir du Shih Tzu qui va être plus en poil cheveux et un autre qui va être plus en poil les deux. Donc maintenant, je parle de type de poil. Et après, on a la texture, tous les chiens ont de poil. Quand on a une texture qui est un peu épaisse et qui reste en volume, je travaille de bas vers le haut. Pourquoi? J'ai pas ta main pour dessiner. D'habitude, je dessine. Enfin, tu dessines. Le volume, c'est ça. En fait, si tu viens travailler comme ça, tu vas aplatir le poil de ton chien. Moi, je travaille comme ça sur effectivement le poil cheveux. Parce que du coup, je vais venir travailler dans le sens du poil. Et là, en fait, je vais donner du volume à mon chien. Donc, je vais partir du bas vers le haut pour garder cet effet. Tiens. Je tiens où? Sangle. Là. Sangle. Je sens. Quoi? Oui. Quand ça bouge. En fait, c'est ton peigne qui, si tu veux, qui va te donner le poil à couper. Non, mais quand le chien il bouge, elle a dit. Allez, vite, vite, un brush. Allez, vite, un brush. Go, 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 c'est parti, vous avez la minute. C'est bon, tu peux tenir tout seul. Il y a un assistant. Eh oui, mais faut que je filme, moi. Tu veux aller chercher une sangle? Non, j'aime pas attacher les chiens. Oh. Tu aimes attacher que ton fils? Moi, j'attache mon gosse. C'est mieux. Ouais, il a l'air traumatisé. Elle me tape et tout. Ils voient pas tes doigts. Bouge.
paye quoi? Ça va, les sourdes. Je suis blanche, j'ai dit déjà ça, j'ai un handicap. Tout ça, des fois sourdes. Madame a des super pouvoirs et du coup les gens. Ouais, elle a des super pouvoirs, elle est dyslexique et du coup maintenant madame. Ah bah excuse-nous. D'accord. Donc du coup, tu sais. Je répétais quelque chose que vous aviez dit au départ. En sachant que le peigne a la dimension. Exactement. L'avantage de faire ça, c'est de pouvoir aussi voir la construction de son chien. Il y a eu ton chien. Parce qu'en fait, quand on travaille qu'à la tondeuse, donc on a plusieurs outils, on dénature le poil, ça a bugué, hein, on dénature le poil, et puis la tondeuse, en fait, elle va le mettre, si vous choisissez un centimètre partout, quoi qu'il advienne, sans tenir compte de la morphologie pardon, de votre chien. Alors que mon peigne, va tenir compte de la morphologie et je vais pouvoir adapter les volumes en fonction de ce que je veux rendre, ce que je vais vouloir gommer comme défaut et ce que je vais vouloir mettre en avant comme qualité. Par contre, moi j'ai une question bête, je suis là pour la préparation de peigne. Mais c'est parce que moi c'est ma spécialité, c'est que. Après, il y en a qui le font, c'est le droit. Moi, je travaille beaucoup au sculpteur et aussi parce que je trouve que ça reste naturel. Quand on travaille au sculpteur, on garde ce côté naturel du chien. Il est allé chez le toiletteur, ok, mais sans qu'il soit allé. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que le chien, il est comme ça tout le temps. On peut faire, dans mes toilettages, je fais vraiment deux types de toilettages complètement différents. Autant je vais faire un toilettage très structuré, très travaillé, avec de la couleur, avec machin, je vais pousser vraiment un truc hyper bonbonné. Autant je vais pouvoir travailler sur un chien et le garder complètement, enfin, donner cette impression de naturel. Et juste en coupant certains endroits, en le raccourcissant pour le rendre qu'il soit plus facile d'entretien, c'est pour ça qu'on raccourcit les chiens de nos clients ou nos chiens, pour qu'il soit plus facile d'entretien, mais en pensant, tiens, c'est comme nous quand on va chez le coiffeur, je peux très bien regarder ma couleur naturelle et me dire, bah, tiens, par rapport à mon visage, j'ai envie de quelque chose, voilà. Est-ce que je vais faire un carré plongeant, est-ce que je vais garder les cheveux, est-ce que je vais faire des cheveux courts, ben, en fait, sur le chien, c'est un petit peu la même chose, on est en fait l'esthétique. Allez, on va se mettre aux finitions. Et d'accord. Attends. Alors je reprends les ciseaux. Lesquels? Ok, je les curves. On va les travailler là, on va les travailler la tête. Allez. Tu veux que je t'enlève des ciseaux? C'est bon. Ils vont pas participer. Ouais. Vous avez pas de questions? Ils sont sales. Ah, là, voilà.
never. Non, jamais. Jamais. Du coup, c'était quoi la question? Alors, elle m'a demandé si je pré-coupais les chiens avant d'aller au bain. Moi, non. Je ne fais mon chien que lorsqu'il est propre, broché. Et j'ai même fait, donc, j'ai des vidéos en retard sur les montages. Donc, je vous ai fait des vidéos. J'ai carrément fait une transformation sur les Shih Tzu qui étaient en expo avant et qui sont à la retraite. Et donc, la cliente m'a dit, Nathalie, est-ce que tu peux me transformer le chien et me faire une coupe finalement dessus, parce que les papiers, les machins, quand les chiens font plus d'expo, c'est pénible à entretenir. Donc, j'ai complètement transformé les chiens. Donc, vous imaginez bien qu'il y a un Shih Tzu en mode expo, il a le poil jusque-là. Il a des papillotes là, il a des longueurs de barbe jusque-là. Et j'ai pas mis plus de temps que. D'accord. J'ai pas mis plus de temps que si j'avais pré-coupé. Dans ma technique, oui, parce qu'en fait, du coup, tu vas pré-couper à un endroit. Alors, est-ce que du coup, tu vas pas couper trop court? Finalement, quand on va laver, brocher ton chien, ton poil, il va pas rendre de la même manière que quand ton poil, il est sale, en fait. Et après, tu vas te dire, ensuite, j'ai coupé là, finalement, j'aurais peut-être fait bien, c'est du poil. Et après, tu construis le chien, et c'est vrai que tu te dis, j'aurais peut-être fait ça, une fois sec. C'était quoi la question? La question c'est tu perdrais plus de temps si tu coupais ton chien avant de le laver. Avant de le laver? Non. Oui, c'est ça, si tu coupais ton chien avant de le laver. Oui, mais... Quoi? Ils ont pas entendu. Il y a des coupures de son. Il y a des coupures. Putain, mais c'est chiant. Céline, c'est nul. Céline, ça marche une fois sur deux. C'est très pénible. Mais ça fait des bugs, apparemment, on n'entend pas tout le temps. Il doit y avoir un point de contact. Parce que tu bouges trop ton derrière, t'es trop musclé. Avec moi ça marche. Hein. Mais elle est trop petite, du coup les fils ça fait. C'est pas. Je suis trop petite, c'est ça. Tu vois? Attends, je vais essayer le deuxième. On essaye un deuxième. Ça pas de plus. Non, ça marche. Hein. C'est pas parce que je bouge. Pour ceux qui regardent mes vidéos aussi. Attendez. Qui regarde les vidéos? Ah oui, ok, d'accord. Donc en fait, du coup. C'est Céline, je la vois, elle est là-bas. Elle s'éclate. Elle fait les tests balance. Donc j'explique la démarche aussi des chiens en fonction de leur morphologie. C'est ennuyeux. C'est gentil. Quand on regarde un York marcher, ça ne va pas marcher comme un Shih Tzu, un Lhasa, par rapport à leur morphologie. Ne me dites pas que vous attendez que ce que je fasse... Si, si. Ah, d'accord. Okay. C'est nous. Ouais. On veut voir. Quand on a un terrier qui marche, en fait, un terrier qui marche ne va pas onduler. Non, mais vous êtes sérieux, vous voulez vraiment que je... Ah, ouais. Non, mais on a tout voilà. Ça. Voilà. C'est nous la salsa et la marche militaire. Un terrier qui marche, en fait, c'est pour ça que je dis un soldat. Il marche comme un soldat. Il va marcher très droit, en fait. Il avance les pattes et c'est très droit. C'est pour ça que je vous dis tout le temps droit, 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 droit. Laser partout. Si vous laissez des volumes sur les cuisses ou des volumes sur les fesses, ça va faire très moche parce qu'il marche vraiment comme un soldat. Vous êtes maintenant comme il marche pendant ton York. Voilà. Alors que du coup, un Shih Tzu ou un Lhasa, ben, ça va marcher comme ça. Ok. C'était ça, hein. C'était ça. Ok, d'accord. Et donc, en fait, comme ils ont les fesses qui sont un peu plus hautes et qu'ils ont les pattes arquées, en fait, quand ils marchent, ça balance comme ça. Ouais, c'est important. Ils sont contents. Du coup, ben, en fait, là, effectivement, vous pouvez laisser des volumes et des rondeurs à ces endroits-là, parce que quand il va marcher, ça va faire joli. On va accentuer, en fait, on a une ondulation et on va avoir un petit cul-cul, pom 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 pom, comme un peu sur les splits. Quand on a ce petit cul-cul bombé, là, quand ça marche, du coup, ça fait tout bien parce que ça, c'est bon. Voilà, voilà. Il fait des bruits bizarres. Donc, c'est pour ça, regardez aussi la morphologie et la démarche de votre chien, parce que si vous voulez appliquer une coupe dessus, alors que finalement, ça ne va pas avec sa démarche, ça va faire très bizarre et ça ne sera pas plus joli. Thank you.
Ah, tu veux que je fasse le caniche? Non, arrêtez. Non, je pense. Ça perd toute crédibilité au bout d'un moment. Ça fait comme ça. Ouais. En fait, le caniche, effectivement, il marche comme un cheval. C'est bon, j'arrête, j'en ai marre, je vais y aller. J'ai la coliforme d'ailleurs. Je vais pouvoir vous laisser. Bon, allez, un peu de sérieux, 2 minutes. On va pas plus, hein. Ouais, pas plus, je sais pas faire. Vous avez jamais vu parfois vous regarder un chien et sans être critique de mauvais augure, hein, c'est vraiment apporter toujours de la bienveillance et apporter une critique constructive. Parfois on regarde un chien marcher et on n'a pas tenu compte de sa morphologie et on s'est lancé dans un truc en se disant « Ah ouais, je vais trop lui faire ça, j'ai vu une coupe comme ça. » Et puis au final, on le regarde marcher et on fait comme ça. Non, pas possible. Donc, d'où les jupes développées chez les New Looks sur les York ou sur les Westies. Et après, les grandes choses, oh non, je suis pas moyenne. Ça n'a pas du tout les soldats. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est important de regarder la démarche du chien, la morphologie du chien. Tu casses tout. Tu casses tout. Captain Marvel. Je vous ai pas. En salon, combien de temps? 2 heures, 2 heures et demie. Si j'ai celui-là, si j'ai ce chien-là, dans le salon, que la coupe. Là, on est à 42 minutes. Ouais. Mais on a fait des. Avec Céline, on s'est fait des. Ouais, elle m'a lancé des défis comme ça où j'ai eu 1 heure. J'avais un chien jusqu'en bas, tu te rappelles de ça? J'avais un chien poil jusqu'en bas et elle avait dit Nad, vas-y, let's go, c'est parti. J'avais construit mon chien la dernière fois. En fait, il reste 15 minutes. Hein? Il reste 15 minutes. Oh, putain, j'ai pas fait la tête. En parlant de défi. Voilà. Et donc, ouais, j'avais dit maintenant 10 minutes pour construire tout mon chien. Et il a fait poil jusqu'en bas. Bon, en même temps, je parlais pas. J'ai dit, m'en fous de parler pas. Eh, hey, il est déjà 11h15. C'est vrai? Et non, mais son nom, il m'a pas dit. Allô, ma soeur. Ça va et toi? Oui, on est en pleine démonstration. C'est mon autre enfant. D'accord. Ah, ok. Allez, bisous. C'était Lana. C'était Lana. Pareil, quand je viens arrondir mon ventre sur le côté, je viens travailler. Monsieur, il est équipé. Côté. Là. Comme ça. Pourquoi je viens travailler comme ça? Oh là. Ils sont pas très participants. Hein. Non, on va leur faire faire. Qui va faire des pompes? Alors, qui répond à ma question? Non, non, non. Allez. Pas possible, hein. Ah, moi, ah. Vas-y, Charles. Non, vas-y. Alors, si j'avais eu un tableau, j'aurais pu vous montrer. En fait, c'est simplement l'angle de poil. Vous avez votre poil qui retombe. Si je dans le centre poil, encore une fois, je vais garder mon retombé. Si je viens couper à contre-sens du poil, regardez, mon bombé. Ah, hein. Sérieux, pour une blonde? Si je viens comme ça, en fait, je vais couper un autre, mon poil dans un autre angle. Là. Donc la pointe vers le bas. Donc je vais favoriser le tombant du poil. Ben, thank you.
si je faisais ça, non ? Je vais trop vite, mais il me reste 15 minutes. Après, du coup, je vais être punie. Je pourrai plus jamais revenir. Elle va me punir. Je ne peux pas faire les essais. Donc, c'est pareil. Ça, on enlève. C'est comme pour nous. C'est désagréable. A rompu des bras. Ah ben, à la tondeuse, si t'as des nœuds, forcément, il vaut mieux pas attraper ton chien. C'est comme les dessous de pattes, c'est comme le dessous de ventre si t'as des nœuds. On précise. Hein ? On précise. Eh oui. Qui est une extraterrestre ? Moi ? Non, non, c'est ma mère, vous inquiétez pas. Non, non, pour le moment. C'est Captain Marvel. C'est Captain Marvel. Qu'est-ce qu'on lui fait à la tête ? Tête ronde. Ah. Ouais, on fait quoi ? Guillotine, on étrangle, on fait quoi ? Non ? Ben moi je vais couper les oreilles. Ah. Je coupe les oreilles ? Je garde les oreilles longues comme ça ou on est parti sur une tête de bébé ? Oh. Allez. Tête de bébé. D'accord. Voilà, plus d'oreilles. Hop là. Amputation. Regarde-toi. T'es jaloux. On laisse grande oreille et petite oreille. On fait asymétrique. Ah, faut que je vous mette. Ah, si, je l'ai mise. On de quoi fait asymétrique. Un côté fille, un côté garçon. Vous l'avez vu celle-là hein? Oui. Non. J'ai mis une vidéo sur YouTube. J'ai fait une tête asiate. Et du coup, j'ai fait. Une tête moitié fille et une tête moitié garçon. Excuse-moi. Attends, elle a parlé. Quoi ? Elle a dit quelque chose. Non, c'est bon. Ah. Ah. Je fais une oreille ronde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Affûter mes ciseaux. Du coup, je me suis coupé un bout de doigt. C'est de ma faute, ça. Ouais, tu les as pas fait hier. Du coup, ça m'écoute très bien. Très bien, les doigts de maman. C'est bien. Mmh. Ouais. Ouais, c'est ça, je crois que je vais prendre une tablette aussi. Qui parle ? Si, on est d'accord, on a entendu Nathalie. On est d'accord, mais en même temps, c'est le troisième prénom de l'enfant. Alors, je viens faire ma frange. On va lui garder ça là. On va s'en servir pour le faire. Je fais un lifting. Un lifting. Comme ça, les poils que vous avez là, vous savez, ces fameuses mèches là qui poussent au bout de 15 jours quand on voit les chiens. Hop, je fais un triangle du coup. Tac. Et tac, comme ça, après, ça va me faire un petit éventail. Voilà. Ça va aller ? Ah, repas tes poils. On fait ça, tu tires ta mèche du bas. Tu viens d'un côté. Et tu viens de l'autre. Voilà.
Ensuite, je vais faire quelque chose de symétrique. Donc, je vais regarder la hauteur que j'ai ici pour la porter en dessous. D'accord ? Pour éviter, dans une tête ronde, hein, une tête ronde bébé. Après, je fais des grandes moustaches. Donc là, on va venir. Ça bug. Hop. Ensuite, je vais venir faire. Je te détache. Allez, ciao. Ici, je viens faire mon triangle. Pourquoi je fais un triangle en dessous ici là? Pas suivi, ils sont pas révisés. Oui, c'est ça. Aïe. Et la bonne réponse est attribuée à Emily. Mais je sais pas, hein, surtout. Hein. Putain. Ah non, et en plus, c'est vrai. Ouais, en plus, c'est vrai. Merci, merci. Et après, je viens fondre mon poil là. Non mais je te tiens ta tête, attends que tu m'en repenses, tu vois. Coupez la jugulaire, vise la jugulaire, Et le fait de raccourcir ici et de venir faire court, on va raccourcir son chien. Il ne voit pas derrière. Ah là. Ah mais t'as vu? Le micro, il vient pas la coque. T'as un peu des petits cheveux devant. Ah. Ouais. Eh, c'est tes cheveux, en fait. C'est mes cheveux, en fait. Tu as mis sa petite tête, là. Comme ça. Ouais. Ok, on vient ici. Caméraman, trépied pour chien. Ouais, effectivement. Multi-usage. C'est l'homme, c'est que l'homme couteau suisse. L'homme couteau suisse. Oui. Attends, attends parce qu'il n'y a pas. Vous voyez là? Ou pas? Jugez pas, hein. Je fais un pour que vous voyez. C'est pour vous que je fais ça. Ces positions. Oui, mais c'est pour qui quoi? Non, mais ces positions. Ces positions. Crapaud. Voilà. Crapaud. C'est bon, je peux lâcher sa tête. Tu peux lâcher sa tête. Ensuite, on va faire le soleil. Mais qu'est-ce que c'est que le soleil? En fait, on va venir chercher. C'est chiant ça. On va venir chercher. Aïe! Eh ouais, mais je remonte. Tire ma tête. La partie qu'on a ici, le poil. Donc, je viens de la remonter. J'attrape cette partie de poil qui est ici. Hop, je bloque. Donc le soleil, parce que ça fait un masque. Tu vas me sortir un autre truc, une jupe pour les photos. Oui, un présent. Si vous voulez, vous. Je n'ai pas osé, mais bon. On a les mêmes termes dans notre quartier.
Non mais c'est Alsace, c'est pour ça. C'est l'Alsace, c'est ça, c'est l'Alsace. Forcément. Forcément. Et ensuite, tu peux te coucher si tu veux. Tu peux faire ça. Voilà. Viens. Vas-y, fais ça. Vas-y. Couche-toi. Couche-toi, comme ça. Voilà. Alors regarde là. Un chien qui bouge. Un chien qui bouge. Il s'est endormi. Le caniche, comment il s'est endormi? Attends, est-ce qu'il bouge? Il est mort. C'est Ninja Warrior. Ninja. Ici, on va très peu couper parce que c'est déjà court. On va mieux juste travailler là. Bonjour. Elle arrive à la fin. Oui. Donc là, je casse mon nom. Et ici, pour repartir, on va sortir un coulis. Le vent. Et encore, t'es folle. Mais c'est ça. Moi, j'aime bien faire des chats avec des oreilles. En fait. On n'a pas entendu. Si, on a entendu. On a entendu. J'aime bien faire les oreilles courtes. Hein. De toute façon, un bébé, ça n'a pas des oreilles longues. Oui, non, non, oui. Ouais. Non, mais en fait, je sais pas. C'est un public ou une mosaïque? T'as compris la référence? Je fais feu des deux pouces. Une heure. Pourquoi une heure? Là, ça fait une heure. Tu vois? Une heure, je suis allée tranquille, j'ai parlé, j'ai dit une connerie. Un peu vous avez vu, j'ai pas de marque ciseaux. C'est magique, hein? Magie, magie. Vous idées, on est du génie.
fait couper. Je suis réquisitionné en tant que babysitter aussi. Ah oui, t'es plutôt suisse. Il a sorti de côté. Non, bon, ben, je crois que ça touche à sa fin. Allez, on va faire un sapin. Ah, on a une habituée là. Ouais, ouais, on a une fidèle. Ouais. T'as une carte de réduction? J'ai une carte de fidélité. Chrysanthème, papillon, soleil, papillon, éventail, en quatre mots, en quatre lettres, calme. Lotus. Pyramide. Hein? Et mon topin, il est parti. Ton copain, il est parti. J'explique parce qu'après sinon on a des clochettes de caca. Appétissant. C'est appétissant. Un peu gluant. Un peu gluant mais appétissant. Ceux qui ont les rêves, ils peuvent le dire. Ouais, ouais. Je regarde la symétrie. Thank you.
topin derrière toi. Quoi? Il y a un topin derrière toi. C'est derrière toi. Bon ben voilà, ça me paraît pas mal, qu'est-ce que vous en pensez ? Juste 5 minutes. T'es content? Oui. Je vais me poser au sol comme ça, il va secouer. Et puis après, ben, garder le pied et me dire. Vous voyez quand je vous dis, on garde un peu une sortie d'envolée au niveau du dessus. Bébé qui est en train de se faire manger. Tu trouves que quoi? C'est trop long sur ça? Ah non, mais je trouve pas, c'est pas. Par rapport à ça? Attends. Non, non. Ouais. Il y a Madame Papillon. Après, tu vois, ton premier retourne, donc du coup, il se replace sur ton manger. Oh, le balai. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu fais trop court après à ces jours-là. Comment ça fait la meuf là, qui claquait les doigts et. Je défie dans le garde. Voilà, c'est ça. Mais c'est pareil. Le mousse, le volume, tu vois, le poil. Oui, un peu plus grand, oui. Tu vois, aérer. Si tu travailles un peu trop, après, tu enlèves un peu tout. D'ailleurs, tu dois faire les allers-retours. Quoi? J'ai perdu. Ouais. Je t'ai vu. Allez. C'est bon?
contenu. La chaîne, la chaîne. Comme d'habitude, vous avez le droit de liker, de partager, de commenter, de m'envoyer un message. Je ne réponds pas tout de suite, mais je réponds toujours. Vous avez le droit de cliquer sur la petite clochette pour vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous recevrez toujours plus de vidéos. À bientôt, salut.